Bienvenue au journal de Sté. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'intituler ma petite rubrique Récit d'une maman qui tente d'être une super maman. Alors, on le sait tous, le quotidien d'une maman. Alors, on a plusieurs facettes, on est très polyvalente, donc on est infirmière, cuisinière, maîtresse, on cajole nos enfants quand ils en ont besoin, on est leur confidente, on les met au coin, on les punit, enfin, tout ça. Aujourd'hui, n'ayant pas vraiment tous les jours l'impression de profiter d'eux, j'ai décidé d'intituler ma journée Journée de super maman et de profiter d'eux à fond. Alors, c'est-à-dire aujourd'hui, je vais mettre de côté toutes les tâches ménagères. Là, je ne regarde pas par terre, il y a des poils de chien partout. Donc, stop. Je lève mes yeux du guidon, je profite d'eux à fond. En plus, c'est les vacances, donc je les ai tous les trois avec moi. Donc, on va profiter de ça. Alors, on va faire des activités qui nous plaisent à tous les deux. Tous les deux, donc les enfants et maman. Donc là, vous voyez, je suis un peu déguisée donc en super maman. On va essayer. C'est eux qui m'ont maquillée comme ils le voulaient. J'ai mis la cape de mon fils. Et aujourd'hui, en avant, on profite. Alors, le temps passe beaucoup trop vite, hélas. Donc là, ils sont petits, on peut faire ce genre de choses, de se déguiser, de jouer, etc. Dans 10 ans, ils auront sûrement leurs petits copains et petites copines, ils voudront plus se déguiser avec maman ou faire des câlins ou faire la bagarre avec papa, etc. Donc aujourd'hui, profitons. On a trop souvent cette impression que le temps nous échappe. Alors que, voilà, peut-être que de se poser, de prendre un peu de recul et de lâcher prise. Voilà, tous les sujets en fait se rejoignent. Donc de lâcher prise aujourd'hui de tout ce qui il peut nous préoccuper de la journée, les factures non payées, etc. Et de s'occuper de nos enfants. Donc moi aujourd'hui, je vais avoir ma journée de super maman. Est-ce que vous aussi, vous avez ces petits moments de super papa sur super maman pour vous occuper que de vos enfants? Alors ce week-end, je vais essayer de mettre en pratique ça pour avoir un week-end de super parents. Donc comme ça, je vais faire maquiller mon mari aussi. Ça va être sympa, on va bien rigoler. Bon, écoutez, je vous embrasse. Ce sera ma seule vidéo de la journée. Peut-être bienvenue à demain, des sujets un peu moins légers, mais je pense que c'est primordial de prendre le temps avec nos enfants, de profiter d'eux. Allez, je vous embrasse. Bisous, ciao, ciao!